Et salut tout le monde et bienvenue à tous sur KO Gaming et chez Black Manta. Salut à toi le Black. Salut KO, salut YouTube. Et pour nous, de mon côté, je suis avec Yuma, salut à toi. Salut KO et salut Black et salut tout le monde. Ah, il y a beaucoup de gens à saluer. Hein. Ouais, ça fait beaucoup trop de salut là. Prochaine fois, je dis juste salut. Voilà, il faut dire bonjour à Psychoquack aussi. Bonjour Psychoquack. Bonjour Psychoquack. Et bonjour Erreur. Voilà. Et de mon côté, on peut te dire aussi bonjour à Starry et bonjour à Natu. Voilà, voilà. Lui au moins a deux Pokémon différents. Moi, j'ai une erreur. Hein. Deux Psychoquack, une grosse erreur. Une casse les bonbons. Ah là là. Bref, allez, on va pouvoir continuer. On va continuer, on s'est arrêté à Ville-Griotte, du coup, on avait Exactement. Fait un peu de farm, et du coup on va avancer vers la route 30, voilà, on avec est... un nouveau Pokémon de zone, du coup. Ouais, t'as des Pokéballs seulement ? Oui. Alors je vais peut-être mettre le pas erreur en premier cette fois-ci, tant qu'à faire. À la marne. Pourquoi ? Moi je vais avoir qui en premier, moi, du coup. Ouais, mais vu qu'on le chope, là, c'est juste pour ce tour-là. Alors, vous vous souvenez que j'avais dit que j'avais 90% d'alligator. Ouais. À l'époque précédente, je tombe sur un hippotrempe. Mais non. Allez. Là, nous, c'est l'alligator. Alors, ouais, effectivement, niveau 3, est-ce que je vais pas le buter, là? Bah moi, j'ai mis mon star. Avec un niveau 11, t'es sûr? Moi, je pense pas, mais... Bon, on va faire griffe. Alors, le problème, c'est que oui, bon courage hein, pour vous, l'alligator. Hein. Je vais peut-être attendre que vous le capturiez avant, parce que je vais peut-être pas utiliser mes balls pour rien. Tu vois, deuxième griffe ou pas? J'ai peur de faire un coup critique. T'as fait la moitié, et moi je te ferai un griffe encore. Pas de coup critique, Psychoquack, je t'en supplie. Non, c'est bon. Enfin, alors, je veux pas dire de votre côté, mais la team full haut... Oh, ouais, non, c'est mais clair. Là, c'est une catastrophe. Hein. Si la première arène, c'est électrique, on est mort. Clairement. Ouais, qu'est-ce que je trouve. Ah, s'il y a genre un Elector, oui, vous êtes foutu. Ah non, mais là, mais c'est foutu. Là. Mais, même un n'importe quel électrique ou un type plante, on est mort. Hein. Non, mais j'ai l'impression d'être Ondine. Et je dis ça, mais moi aussi, hein. Moi aussi, hein. S'il y a un électrique, je suis foutu. Oh, parce que même électrique, fin du game. Mon atu type vol aussi, lol. Non, mais c'est clair, là. Électrique et deux épisodes sur le random et c'est fini. Allez. C'est bien d'avoir un petit niveau, comme ça j'inflige des petits dégâts. Oh, mais c'est sérieux, là? Il veut pas rentrer? Bon, je vais faire un mimiqueux. Ok, moi c'est bon. Ça lui descend sa défense. Il est dans le rouge. Comme ça, peut-être qu'il sera plus vulnérable pour la Pokéball, je ne sais pas. Alors, Pokéboule. En dessous, on a des vies. On va pas l'avoir. T-shirt, arrête. Tu vas porter la poisse. L'hypotrempe, c'est bon pour moi. Oh, mais non, il veut pas rentrer, porter. Alors, je vais le noter. Hypotrempe. Enfin, je vais peut-être le noter pour rien, on sait pas, mais... Ouais, je veux pas être négatif, mais... Oh, oh finaise. Trois fois. Oh, donc, le con ouais. Pour l'instant, j'utilise pas tant que j'ai pas la confirmation de votre côté. Ouais. Il nous reste 14 Pokéball, hein. Je vais up mon Starry en attendant. Oh, mais putain, mais t'es chiant, là. Et Ferrisson, ok. On peut pas lui balancer un Psychoquack dans la gueule? Erreur. Erreur. Serre à quelque chose, s'il te plaît. Capture-le. Allez. Non mais je vais remettre un Mimikyu dans la tronche, hein. J'ai pas quoi faire d'autre, de toute façon. Appuyez sur le bouton. C'est psychologique, mais ça fait du bien. Ouais, alors, t'as la technique du B plus bas. Boutons à chaque fois, c'est une catastrophe. Ouais. Vas-y, spam! Appuie! Non, j'aime pas, moi. Ah, bah tiens, il fait nuit. Putain, fais chier. Je vais faire à ta place, hein. Ah, du coup, ça va être drôle, parce que vu qu'il fait nuit, les Pokémon vont changer, en théorie. Ah ouais. Enfin, déjà, faut qu'on arrive à attraper le con, là. Ça a plus rien à voir, du coup. C'est n'importe quoi. Oh. Mais putain, mais c'est pas vrai! C'est pas possible! Mon ami, Potron va finir dans la boîte, hein! Il reste beaucoup de PV? Mais non, il est dans le rouge! Il est dans le rouge, ah, hein. Oui, dans le rouge, ah, oui, d'accord. Mais ça fait 6 Pokéball, je blanc, c'est toujours pas. Ah, mais Alligator, c'est chiant, hein. Ouais. Oui, oui, c'est comme, c'est comme un légendaire, c'est chiant. Ah, oh, punaise, on l'a! Enfin! Alléluia! Alléluia!
Salut puissance et gloire au Seigneur. Ah, GG. Donc, okay, nous disons Dion. Ça vous fait une valeur sûre, remarque. Hein. Ah bah, bon, si ça peut vous rassurer, il y a toujours des allégatures, même la nuit, alors... Bon, bah maintenant, je m'en fous. Hein. On est route combien, là? On en est fait... route 30. Ouais, c'est ça. Donc, je, du coup, je vous note alligator. Et hippo 30. Ok. Ok. Du coup, il faudrait peut-être que j'aille me soigner, parce que... J'en ai à côté, donc... Et ta chaîne m'embête. Oui. Olia! C'est la panique. C'est la panique. Du Elle va arriver. Bon, on va mettre... qui est-ce qu'on met en premier? On met à Erreur ou à Ligature? De toute façon, il faut entraîner les deux, mon gars. Oui, oui, ben, je peux pas faire les deux en même temps, c'est pas possible. Mais à Ligature. Ouais, parce que Erreur... Moi, je commence à entraîner Starry, mais du coup, je vais pouvoir entraîner Hippotrempe aussi. Faudrait savoir à quel niveau il évolue, Psychoquack, tu sais, toi? Bah, je crois 30, que c'est niveau 20 et des brouettes. Ouais, il a baissé un petit peu, mais... Ouais, normalement, il va évoluer plus rapidement, mais ouais, il... Il évolue tard. En fait, déjà, tard. Il évoluait tard, donc... Ouais, il évolue tard, de base. Oh, Ferrisson, ça aurait été bien, ça! Bah, ça aurait été diversifié. Ah ouais. Par contre, là, tu peux lui balancer le pistolet. Oui. Ça va vite dégager. Starry 6, on va essayer de faire monter un peu. J'ai oublié de réinitialiser le chrono, c'est pas grave. Ah, ça y est, il fait nuit, maintenant il n'y a que des alligators, lol. Déjà quand il faisait jour. On a quand même mis 5 minutes à capturer un putain d'alligator, hein. Je dis ça. Bah, bon, au moins vous l'avez eu. C'est quand même une bonne chose, hein, parce que ouais. Normalement, pas de finale d'évolution, donc pas d'évolution. Oui, celui-là, on est sûr de le garder. Ouais, et il est bien, pour le coup, hein, donc. Oh, bah oui, on va pas se plaindre, hein. C'est pas un caca, alligator, hein, quand même. Non, non, non. Ah oui. Ah bah oui, du coup, oui, bah oui, on est que niveau 3, je rappelle, de base. Oui, faites pas les cons. Oh non, non, mais là, on vient de tuer Florisson, du coup, avec notre petit pistolet à eau, avec notre petit alligator, et du coup, on a pris 2 niveaux. Oui, on était surpris du point d'expérience de ouf, là, mais c'est vrai qu'on était que niveau 3. Donc... Ouais, ouais. Ah bah, en plus, c'est encore. Moi, ça me va, des Florissons, là, avec alligator. On va farmer les Florissons, là. Désolé, petit Florisson. Alors, le brouillard du Florisson m'emmerde par contre, parce que moi je peux pas farmer avec Hippotrempe du coup. Mais bon, Hippotrempe avec écume, c'est pas la folie non plus. Non, c'est pas ouf, j'avoue. Bah, pour cette opération, je pense que notre alligator est mieux que ton Hippotrempe. Oh oui. Oui, bon, là, il n'y a pas de doute. Voilà. Après, moi, je vais avoir le suspense de l'évolution de l'hippotrempe quand il évoluera. C'est ça. Qu'est-ce que je branle? Non, je ne vais pas me soigner, j'ai pas besoin. Pas encore. Après, on va. J'ai pas envie qu'elle s'asseye sur le clip là. C'est là. T'as encore un hippotrempe, ça y est, maintenant je vois plus que. Starry. Ça va être un petit peu long là, mais. Bon, après, Starry il a ses charges, ça. Je crois, oui. Ouais, ses charges. Moi, je croyais que c'était griffes, mais non. Hein, Starry avec des griffes en même temps. Ce serait un peu bizarre. Je te le pose peut-être, parce qu'on n'a pas forcément besoin. Hop. Le combat d'infirme entre Starry et Hippotrempe, parce que Starry en attaque, il est à chier. Oh, moi tu sais, je suis alligator contre alligator. Hein. Ah oui, c'est pas mal non plus aussi. Heureusement qu'il y a 3 niveaux d'écart, parce que sinon... Moi j'ai 2 niveaux d'écart. Ouais, 90 points quand même. Ah oui, non, les ligatures, ils donnent... Ils donnent bien. On va continuer de farmer un peu, hein. Oui, hein. Faisons-nous plaisir. Je pourrais commencer à tataner les dresseurs petit à petit, là. Ah, t'es toujours à la route 30, de toute façon. Oui, moi je suis en bas de la route 30. Bon, pareil. Alligator, bonjour. Comment vous allez? Il a pas l'air content. Oh putain, il a pas l'air content.
Et on va limite monter plus vite avec lui, quoi. C'est clair. C'est agréable, hein. Ah oui, bah oui. Ça me change de l'autre imbécile. Ah, c'est clair. Psychocouac, psychocouac. Ça, c'est clair que ça change. Hippo 36. Très bien que ça apprenne des attaques, là, chez Starry et compagnie. Et du coup, on va pas en apprendre, nous. De quoi, les attaques? Oui. Bah si, tu vas quand même bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je sais pas, j'ai pas l'habitude d'avoir un alligator niveau 8. Hein, donc... Après, je crois qu'il va les apprendre un peu tardivement, par ouais, contre. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Mais il va en apprendre, hein, les hydrocanons, tout ça, il va les apprendre, hein, t'inquiète ouais, pas. Ouais, mais c'est méga lent, enfin méga tard, je veux dire. Ah oui, bah oui, ça, c'était sûr. Disons, va falloir privilégier les CT pour ton alligator. Ah oui, mais... Ouais. Va falloir jouer comme ça. Dès que t'as une bonne CT, va falloir que ce soit lui, parce qu'il est déjà évolué, quoi. Après, le moveset d'alligature est quand même pas mal, hein. Il peut apprendre des attaques de type assez varié, genre les, tout ce qui est séisme, machin, il peut les apprendre. Et c'est plutôt cool, hein, en vrai. Ah oui, non. C'est un bon élément. Ouais, bah surtout quand en attaque, il a quand même une attaque plus élevée que le spécial, je crois, en plus, donc il tape plus sur le physique que sur le spécial. Allez, redonne-moi des points, toi. Oh, par contre, je me rends compte que j'ai que des Pokémon qui tapent sur le spécial. Ah ouais. Soit Hippotramp, Natus, Starry, c'est que des prospects. Donc, faut que je me méfie parce que si j'ai un Onix en face. Oh, quoi que j'ai Écume, tu vas me dire, mais. Ouais, mais si Écume, c'est pas terrible, hein. Ouais, c'est. Bah, c'est l'attaque. C'est mieux que rien, mais. Putain, c'est la trempe. C'est. Ouais, voilà, c'est juste au-dessus de Trempette, oui, voilà. Oui, voilà. Bah, je vais tester Écume sur Ferrisson. Alors que j'ai deux niveaux de plus. Hein. Normalement, tu devrais. Alors attends, déjà le Ferrisson est plus rapide que moi. Oh. Ah, si, quand même, il perd la moitié. Ça va. Ah, bien. Avec ça deux va. Niveaux de plus, c'est bien. Hein. Ouais. Ah, c'est qu'il a une attaque haut, donc. Ouais. Oh, il rapporte que dalle, le Hippotrain. Ah, niveau 7. Et mon alligator va bientôt dépasser Psychocouac, hein. Déjà? Ah bah ouais, non mais il nous monte de ouf, hein. Tu l'avais monté combien, ton Psychocouac de base? Je sais même plus. 11? Ouais. Ah ouais, quand même, putain. Eh ouais, bah j'ai juste un niveau de retard, maintenant. Ah ouais, ah oui, t'es, en fait, t'es mieux que moi au niveau farming. Bon, par contre, moi j'ai mon atu qui est niveau 13. Oh. Ah oui, tandis que nous, on est un peu plus équilibrés, mais on est moins élevés. Ouais. Bon, bah, c'est une tactique, hein, mais... J'ai l'Hippotramp 7 et le Starry 6. De toute façon, je vais plus jouer à Ligature que Psycho, quoi. Okay. Oui, pour l'instant, je pense que c'est le bon plan. Ouais. Le Ferrisson donne pas mal aussi en XP 80. Ah, très, très, ouais. Ouais, c'est cool aussi. Hein. Ah bah, Ligature, tiens, rebelote. Le problème, c'est que l'Hippotramp, il va rien faire. Et mon Starry est pas assez puissant, donc je vais mettre... C'est ça le problème, c'est que mes secondaires sont pas assez puissants en force, du coup la ligature, je peux pas l'avoir sans natu. Ouais, ah bah oui. Ouais. C'est le truc un peu chiant. Là où toi, tu peux gérer justement avec la ligature derrière. Et bah ça y est, niveau 11, comme Psychocouac. Et bah GG. Bah je te propose qu'on commence à avancer un petit peu, du coup. Allez, bon bah du coup, je finis mon combat. Je vais aller me soigner, moi. Très bien. Ouais, tu vas peut-être aller te soigner. Ouais, pour les pépés notamment. Parce que Lévi ça va, mais... Ou Lévi ça va, mais... par on contre, va avancer... De toute façon, les premiers dresseurs vont être simples, hein. Ils ont pas des Pokémon au-dessus du niveau 5, normalement, donc... Donc normalement, ça devrait être easy, même pour nos Pokémon faibles, on va pouvoir les monter, normalement. Après, ça dépend ce qu'ils ont, bien entendu, parce que... évident, ils ont un Elector, ça va être... Et porte pas la poisse, Black, t'es mignon, mais on a que des Pokémon haut. Alors ton électeur, tu te le gardes, hein. Moi aussi, hein, moi j'ai haut et vol, c'est pareil, hein. J'ai trouvé un Leuphorie. Sérieux? Ouais. Bah, route 30. Route 30, ouais. Par contre, il a donné au taquet de d'XP, lui, hein. Ah, oui, mais Leuphorie, ouais, c'est la vie. Moi j'ai un Dodrio. Ah, bah tu sais, on en parlait au premier épisode. Ouais. Je vais switch quand même, ouais, je vais switch. Oh, l'Euphorie là, tu vas te prendre une chier de XP. Ah ouais, ouais. Je me rappelle combien, quand je voulais mon Pokédex national, combien de temps je l'avais cherché celui-là.
Bah, il me semble que c'est une chance sur 100 de tomber sur lui déjà, donc. C'est ça. Alors, Hippotrempe, ouais, super. Hippotrempe apprend brouillard. Ouh. Oh, super, wouh. Oh, pour faire chier, ça peut servir, remarque. Hein, mais... 145 points d'XP. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, quand ah, même, oui. Bon, bah, ça ouais, il était quoi, niveau 2? Ah ouais, ouais, le plaisir, quand même. 145, le niveau 4. 2. Niveau 4, 4. Niveau 4. Mais quand même. Allez, je suis revenu à Vigriotte, ça y est. Bah, moi, je suis devant les premiers dresseurs, j'attends tranquille, juste devant. Ah, mais toi, t'es déjà monté à la ville d'après, toi. Ah non, mais je suis pas à Mauveville. Non, mais oh, les dresseurs, il y en a sur la route. Hein. Donc là, tu es où, là? Tu remontes la route 30? Je suis route 30, juste au-dessus du mec avec les baies, là. D'accord, ouais, donc moi, je repars au niveau 30. En route 30, on va y arriver. Niveau 30. Niveau 30, oui, bon, bah là, oui, effectivement. Hein. Et les premiers dresseurs sont juste après, sur la gauche, donc... Ah, j'ai mon atu qui va passer 14. Je vais faire un petit combat juste avant pour le faire monter. Bon, bah ça y est, il est passé déjà avec l'euphorie. Il est passé plus que psycho quoi qu'à la ligature. Ça y est. Putain. Ça y est, le nouveau main. Oh bah oui, bah, complètement. Hein. Ah, bah premier dresseur. Ah, ça y est. Ah bah attends, je vais m'y diriger aussi. Bah du coup, tu vas avoir la surprise avant moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Gaspard Gamin. Qu'est-ce qu'il nous envoie? Pikachu, oh, merde! Non, Pika Pika! Oh la merde! Pourquoi de l'électrique? Bon, après, niveau. Il doit être quoi, niveau 4? Niveau 4. Oui, mais bon, quand même. Il doit avoir des attaques de merde en vrai. Je sais même pas s'il a éclair. Hein. Non, il doit avoir étincelle. Bon, il aura pas l'occasion de l'attaquer, mais bon. Étincelle niveau 4, ouf. Oh, laisse tomber, il a pas étincelle, il la prend même pas en plus, je crois. Zut de flûte. Moi, je vais garder Hippotrempe juste pour voir. Combattre, c'est laisse tomber, rugissement. Et donc, du coup, le premier dresseur, t'es tombé sur qui? Pareil, Gaspard Gamin, c'est les mêmes Pikachu aussi. Pikachu aussi, ok. Ah oui, c'est les mêmes à chaque fois, ok. Ah, c'est la même ROM. Ah, il a bien éclair, par contre. Ah, tu vois. Et donc, deuxième dresseur, je tombe sur un Marcacrin. Ah, type glace. Ouais. Par contre, j'ai presque mon Hippo 39, ça c'est cool. Alors, Marcacrin. Bon, après, le Marcacrin est niveau 2, j'ai envie de te dire. Un petit Salamèche après. Ah. C'est bien parce que du coup, je sais ce qui m'attend. Je vais pouvoir anticiper un peu. Oh, les yeux qu'il fait le Marcacrin quand il... Allez, je vais mettre Starry pour le faire up. Voilà. Comme ça, ça ira up Hippotrempe aussi. Bon, charge. Par contre, je crois que le Marcacrin est quand même poudreuse. C'est possible. On n'a pas eu le temps de voir. Je lui ai fait griffe dans la tronche, il a pas survécu. Ah non, moi je prends les petits pour les faire up, donc c'est un peu plus long. Ah non, il a que charge. Ouais, bon, c'est de la merde. C'est de la merde. Ah non, y a personne. Ça. Allez, Hippo 39. Et donc Salamèche du coup. Allez, dresseur numéro 3. Jean Raoul. Ah putain, mais tu vas vite toi. Je l'ai fait. Ah, Porygon 2. Ah, Porygon 2. Décidément. Est-ce que je changerais pas là? C'est comme tu veux, si tu veux augmenter les autres, oui, hein. Au moins ton starter. Voilà. Ouais. Moi, c'est ce que je fais, là, j'essaye d'équilibrer un peu, là. Ouais, je vais essayer de faire ça. Peut-être pas erreur, mais... Au moins, t'es deux Pokémon sur lesquels tu peux compter, quoi. Ouais. Parce que si tu comptes que sur Alligator, là, par contre, ça va être compliqué, hein. Je vais faire ça. Alors, par contre, il me semble qu'après ce dresseur-là, t'as changement de route. Il me semble que c'est route 31, juste au-dessus, donc nouvelle zone. Ah, donc okay, on va t'attendre, ouh, alors. Nouvelle zone. Ouais. Ça peut être positif. Mais je vais avoir des frissons quand on va changer de zone maintenant. Ouh, une nouvelle zone. Ouh. Oh, un psychoquac. Alors ensuite, il va utiliser Ammonita. Si vous avez encore un psychoquac, alors... Non, mais là, par contre, c'est du bullshit, là. Là, voilà. Là, on balance la manette, là. Là, on peut jeter les émulateurs, là. C'est clair.
plus possible. Allez, petite alligature avant le dresseur. Et comme ça, j'ai mon atu niveau 14. Bon, ce sera un combat lent, hein. C'est pas grave. Hein. Ouais, mais faut que tu l'entraînes, hein. Parce que quand il va évoluer, ça se trouve, tu vas avoir un bon truc, hein. Faut voir ça aussi, hein. Oui, oui, bah bien sûr, de toute façon, je joue sur ça, hein. J'ai pas envie de rester avec un petit gogoak, hein. Ah bon. Jean-Raoul. Jean-Raoul pour Rigon 2. Non, bah je suis au Pokémon d'après, moi, juste. Oh, Q, oh c'est lent. T'es même au final, niveau 3, on rattrape quoi. Comme ça. Mais c'est la honte. T'imagines, t'es niveau 11 et niveau 3, on n'arrive pas à tuer. Bah oui, mais bon, avec ses replis à la con, hein. Oh, mais bon, comment... Là, c'est honteux, là. C'est honteux. Voilà. Ça y est. Ouh. J'ai ça. Niveau 12. Porygon 2, c'est fait. J'ai mon niveau 30, presque 10. Ah, c'est bien. On va farmer un peu, non? Oui, oui, bah oui, en attendant. Je vais mettre erreur en premier. Oh, moi, oh, la monita, ça va aller vite, hein, parce que moi, j'ai fait ténèbres, c'est plié. Hein. Voilà. Histoire que erreur augmente un petit peu. Ouais. Contre un alligator. Direct. Valeur erreur. On va changer, hein. Non, moi, je vais revenir à Villegriotte faire un petit soin juste avant. Avant d'aller dans la route 31. Mais, ouais, psychoquac. Ça fera augmenter, comme ça tu peux augmenter les dégâts à la bourre. Allez. Allez hop, petit retour en arrière. Mais y a des dresseurs après, en route d'après ou pas? Y a encore un dresseur après, je le sais. Après il y a deux zones, il y a la route 31, il y a la grotte noire aussi, on peut s'aventurer dans la grotte noire. Même si on n'y verra rien, ça n'empêche pas de rencontrer des Pokémon sauvages. Bah, au moins le premier quoi. Donc il y aura deux possibilités de capture du coup. Et après la tour Chitifleur, il y aura aussi des possibilités, une possibilité ah, de capture. Ah oui, la tour Chitifleur. Natu. Ce sera peut-être la tour autre chose. Ah bah là, ça va pas être la tour Chitifleur du tout, là. Ça va être... Ça se trouve, ça sera la tour Magikarp, hein, on sait pas. Oh, t'imagines la honte. Est-ce que je retourne en arrière ou pas? Ou la tour Assolourdo. J'ai tous mes PV sauf Psychoquac en fait. Bah, moi je trouve que t'es bien. Hein. On est bien, hein. Bah, ouais. Allez, hein. On va rester comme ça. Allez, Hippo 30-10. Je t'attends, du coup je vais fermer un peu. Je vais me soigner moi donc. Parce que moi j'ai mon Hippo 30 qui a pris un peu cher du cul. Ah, un petit ferrisson, bah tiens. Et il va falloir que je monte un peu mon Starry maintenant. Est-ce que je le tue avec lui? À part charge. Ça se tente, hein. 4, ça va être long mais c'est faisable. Ça va être long. Très très long. Moi j'avoue que je joue très safe hein, quand même. Je vais me soigner alors que bon, j'aurais pu continuer en vrai mais... Ouais mais nous on était vraiment très très bien là. Hein, donc, J'ai perdu ouais. 9 PV avec mon Psychoquac, donc c'est tout. Ouais puis je pense que ton alligator qui fait le café aussi maintenant... Oui voilà. C'est clair. Tant te dire que maintenant c'est mon main. Hein. Ah bah ouais. Le mec il a plus des alligators et le pistolet à eau. Ouais. Je suis pas étonné du tout. C'est lent. C'est très lent. Et encore, ça va, hein. Franchement, je m'attendais à plus, hein. Ligatueur. Ça va. Moi, j'alterne avec Natu pour aller un peu plus vite, quand même, parce que... Vraiment, puissance de frappe, c'est vraiment mon point faible, hein, pour l'instant. L'attaque physique, j'y suis pas du tout. Ça valait le coup. Oui. Erreur apprend Mimique. Ouh. Ah, attention. Après, il apprend Entrave, attention. Ouais, bah oui, ça. Bah, c'est ça. Spoiler. Ah putain, Starry avec pistolet à eau. Enfin. Ah, mon Starry avec pistolet à eau, ça va faire du bien. Charge, c'était un peu la pauvreté. Ouais. Coup, c'est bon. Moi, j'arrive à la roue, juste au-dessus, là, bientôt. Nous, on essaie de tuer un alligator avec erreur, et puis après, on te rejoint. Coup critique, attention. Okay. Moi, je suis sur un alligator allez, aussi. Ah, la frénésie sur le coup critique. Non, bon, ça va. Je prends une nature encore. Je vais être oui, parce qu'en soi, moi, je m'en fous de perdre erreur, mais ça, par contre, pour lui, ça va faire chier, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, mon Starry, même c'est si c'est mon plus faible pour l'instant, mais bon. Ça me ferait un peu chier. Ah oui, quand même.
Je vais peut-être changer là. Après, on verra en fonction de la situation, bien sûr. Mais... Oui. Ah bah, il me restait 5 PV là. Bon, bah, moi c'est bon, j'arrive au-dessus. Bon, je le finis, c'est bon. Donc, c'est bien route 31, c'est bien ça, je vais noter. Allez hop. Donc, route 31. Erreur monte niveau 6. Et que je vérifie avec la carte, c'est bien la grotte noire qu'elle s'appelle, je sais plus. Il me semble que c'est ça, oui. Hein. Attends. Allez, on va mettre. Est-ce que je mets pas le psychoquac en premier? Oui, c'est bien une bonne chose. Même si j'ai que 24 PV. Ouais, non, je me l'indique même pas. Je vais lui prendre une B. Ouais, c'est ce que j'allais dire, donner une B. Bah, c'est ça. L'entre noir. C'est bien ça. Entre noir. Voilà. Voilà. C'est la dernière. Non, je vais changer. Ok. Parfait. Ouais. Bon, bah, vous me dites quand vous y êtes. Mais bah, c'est bon, on y est. Route 31 non, pas encore. On voilà, ça y est, on y est dedans. Ok, et bah, c'est parti. Allez. Ah, bah, ça y est, on est tombé. Ah, moi, même pas encore, non. Moi, rien du tout. Et ce sera. Oh, 31 J'aime pas. Un Ramolos. Ah. Encore un haut. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Si ça peut vous rassurer, le Ramolos, c'est bien mieux que ce que j'ai. La griffe, ça va passer ou je vais le buter, là? Non, tu vas pas le buter, c'est un sac à PV. Ouais, mais bon. Non mais, j'ai eu plein de Ramolos dans ma vie, ouais, je sais ce que c'est. Malédiction. C'est rien, celui où lance son attaque. Vous avez pas vu ce que j'ai vu, hein, moi. T'as eu quoi, toi? J'ai un Hoot-Hoot. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est pas la folie, hein, non plus. Non, mais ça aurait pu être bien. Ouais, mais Pokémon vol, quand même. C'est pas la folie. Ouais, mais j'en ai déjà un Pokémon vol. Ah, mais oui, c'est vrai, oui. Donc, un petit Ramolos. Oh putain, je l'ai tué, coup critique. Bah, alors, c'est très drôle que tu dises ça parce que pile au moment où tu dis ça, bah, moi aussi je l'ai tué et j'ai fait un coup critique. Bon, bah, route 31, c'est mort. Route 31, c'est mort. Bon, bah. Continuons. Et comme quoi, on a la synchro même sur les coups critiques, hein, c'est bien. Bon, on va voir à l'entre-noir du coup. Ah, attends, je suis tombé sur un Pokémon sauvage. Ah. Oh, les boules, putain, on vient de perdre une route là, hein, les gars. Rat-attaque. Ah, y'a des rat-attaques aussi. Ouais. Ouais. Ah, bah, je confirme, j'en ai aussi. Niveau 4. Allez, niveau attaque, ça c'est fait. Oh, le con. Ah, c'est vrai qu'il fait mal ce con. Oh non, mais il est horrible, hein. Ah, oui, c'est vrai. Oh, bah. C'est pas grave. Bon, ça va, c'est bien, hein, il a bien fait, hein. Il est safe comme ça. Oui. Putain, n'empêche, niveau 4, il a déjà vive attaque, lui. Ouais, tandis que nous, on a étreint, entrave et... Étreint, tu t'allais dire. Ouais, bon, ouais, franchement... Allez, j'ai là. Ah, j'ai joué une étreinte de psychoquac. Non, mais quel... On a loupé un Ramolos. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'allais aller à gauche de la grotte, mais non, c'est la suite. Oui. Bon, dans la grotte, du coup. Allez. C'est bon, tu viens? Attends, je me... Bon, moi, je suis dedans. Je mets Psychoquac en premier, oui. Oui, tu peux rester. Attends, je vais rester à faire les deux pas à l'entrée. Voilà, cool. Allez, j'y suis rentré aussi. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour l'instant, rien. Si, ça y est. Non, rien du tout. Oh! Un excellent gueux. Mais non! J'aime pas du tout ce Pokémon, perso. C'est horrible! Ça y est, alors nous, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh! Un Lamantine! Oh, c'est bien! On va essayer de pas le buter cette fois. Par contre, encore un petit. Oh merde! Bah, c'est pas glace la Lamantine? Les deux? C'est eau glace, ouais, c'est les deux. Non, mais je vais m'appeler Ondine. Non, mais c'est clair. Moi, c'est pas en plus mon petit préféré, les hypo, mais non, c'est pas. Ouh, l'ombre réelle. Bon, elle fait du bruit, hein. Fait plus de bruit qu'autre chose. Ok, c'est bon pour l'affaiblissement. On va tenter la capture. Ouais, bah bon, ouais, ça va pas rien. Ouais, tu vas lancer là. Parce qu'il nous a fait un coup critique tout à l'heure, le couillon. 14 boules. 14 boules. Ah bah non, j'ai cru que j'allais l'avoir du premier coup, bah non. Ça passe pas. Ah, pas du tout. L'échec total. Je sens que je vais faire partir les mimiqueux encore. Par contre, il m'a paralysé mon Staris, ouais. Bâtard, et que ça l'échouille. Oh le con. Ouais. Oh excellent, que c'est nul, mais c'est nul. Ah ouais, non mais ça chie. Ah ouais, non, là t'as pas de chance, hein. C'est à chier, mais bon, si vous avez Lamantine... Ouais, bah attends, c'est pas fait encore, hein. Je vais le garder. Ouais, bah moi, c'est pas fait non plus pour l'instant, l'excellent. Alors... Parce qu'on a pas tant de Pokéball que ça, donc... Ouais, je vais le faire un petit Mimikeu. Ouais.
Ah, et puis là, il veut plus. Il veut plus, là, il ressort. C'est Bélier qui le blesse. Oui. Parce que t'imagines, il se tue lui-même. Ah ouais, bah alors là, j'aurais été blasé. Ah bah, s'il a des attaques genre Bélier, oui, il peut. Et ouais, c'est ça. Ça y est, on l'a chopé. Moi, toujours pas. C'est quoi, l'entre-noir ? Oui, l'entre-noir. Il dort dans l'océan, le jour et va chasser la nuit, lorsqu'il fait bien froid. Bon, on va sortir de la grotte. Allez, c'est pas vrai. Bon, je farme en route 31 en attendant. Oh bah là, t'as le temps, parce que à mon avis, j'en ai pour diplôme, là. On farme pas la dentine pour l'instant, on sait pas si on va voir. Non, plus. Remarque si je peux le virer. Ah, c'est bon, je l'ai. C'est bon, celui-là ? Ouais. Bon bah parfait. Allez, tu peux valider, du coup. Excellent. Oh bah du coup je vais pas farmer, je t'attends. Je vais jamais m'en servir hein, de ce Pokémon, hein, je te préviens. Hein. Excellent. Ah ouais, non mais c'est de merde. Hein. T'as quoi comme attaque avec? Ah oui d'ailleurs, je vais regarder moi aussi. Je crois qu'il a que les chouilles en plus. Mais non, oh non c'est nul. Attends, je peux vérifier mais... Ah oui, moi j'ai coup de boule en CS pardon déjà. Ouais. C'est craqué. Ah mais coup de boule, ça veut dire que tu peux taper dans les arbres. C'est ça. Ah mais ça, trop bien. Cool. Alors j'ai coup de boule, rugissement et onde boréale. Sérieux ? Franchement, ouais. Ça va, hein. Moi, j'ai les chouilles. Oh non ! C'est nul ! Ah, puis alors, les stats, en plus, c'est infâme. Les stats, elles sont nulles. Ça dépasse même pas 10, niveau 3. Oh là là, au secours, quoi. Tiens, 10 en quoi ? Les statistiques de base. Ah, t'as attaque, moins de 10 attaque. Partout ? Ouais, ouais. Oh, super. Oh, niveau 3. Oh non, t'es sérieux ? Quoi ? Il y a des électors dans l'entre-noir. Mais non ! C'est pas vrai ! Si, c'est vrai, là, je viens de tomber dessus. Oh ! Mais non, on est tombé sur un pauvre lamentine, quoi. Mais attends, et franchement, comparé à un excellent, je suis content. Oui, c'est sûr. Oh non, putain, mais l'électeur, je l'aurais voulu 100 000 fois, moi. Ah bah oui, évidemment, oui. Bon, moi, je vais farmer, alors je vais t'attendre. Je suis à l'extérieur, déjà. Ouais, bah moi, je vais sortir juste après. Je voulais voir par curiosité ce qu'il y avait d'autre. Blasé. Bah... Tiens, bah allez, on va voir le deuxième, on sait jamais. En t'attendant. Oh bah là t'as le temps je pense. Hein. Ou enfin non il veut pas me donner de Pokémon. Alors, à moins que je m'amuse à aller chercher la potion dans le noir mais ouais non ça va être chiant. Non c'est chiant. Une potion... Bon il veut pas. Il veut pas me donner quoi, de Pokémon sauvage. Il y en a une là une potion. Ah si ça y est. Alors on aurait eu quoi? Ah oh, bah l'amantine. Okay. Okay. Nous étions condamnés avec un l'amantine. Non mais nous on a un problème hein. On veut les Pokémon en double. Oui c'est ça. J'ai mon Starry paralysé, ça c'est pas cool. Et je vais pas revenir en arrière, ça va être trop long. Non, il vaut mieux continuer en route 31. Ouais. Ratatak. Bah allons-y, Ratatak. Hein. Ratatak, ça aurait été pas mal, ça, plutôt qu'excellent. Hein. Ah oui, pour lui, oui. Des ouais, mais Ratatak, c'est pas dans l'entre-noir, c'est... Ah, c'est dehors. Oui. C'est route 31. Ah oui, d'accord. C'est celui qu'on a eu juste après le Ramolos. Oui. Bah, celui où on a tué tous les deux nos propres Pokémon d'un coup critique. Ce qui a fait perdre une route. Ouais. C'est con. On a déjà perdu deux routes hein, depuis le début du jeu. Ouais, ça va, on a déjà 4 Pokémon, c'est quand même pas si mal. Oui. Bon, il y a du bon et du moins bon. Faut pas s'attendre à choper à chaque route un Pokémon. Hein. Ouais. Mais pour le coup, Excellang... Je sais pas trop ce que je vais en faire, en plus il évolue pas le machin. Mais oui, c'est ça le pire, c'est que tu le payes mais, et tout. Mais bon, le truc c'est que vous allez peut-être vouloir garder le Lamantine donc. Y a moyen, oui. Ouais. Il est plutôt bon quand même, Lamantine, non donc, Bah, il est très bon, surtout avec Onde Boréale au début. Ouais, et le coup de boule. Oui. C'est quand même. C'est dans quel genre d'arbre on peut le faire ça? Pas ceux-là? Non. Non, non. C'est lesquels? Tu les vois, les arbres, c'est des espèces de sapins en fait. Oui, enfin, ils se ressemblent tous. Non mais c'est pas ceux-là. J'arrive à les différencier en fait par rapport aux autres. C'est des gros. Ah, c'est ceux-là, tu vois. C'est un sapin, ça. Ah bah du coup, j'ai un Pokémon sauvage, merde. Oui, tu peux tomber sur des Pokémon sauvages. Et du coup, un Scarabrut. Par contre, je crois que... Faire gaffe, ils sont niveau 5 ou 10, je crois. 10, oui, non mais je vais fuir, hein, de toute façon. Tu veux pas le faire avec Alligator? Non. Dommage. Pour le coup, Scarabrut dans les arbres, c'est logique, hein. Oui, bah oui, c'est logique. Oui. Du coup, tu es où, là? Bah, je suis toujours au 31, j'attends... J'ai pas... Il reste un dresseur à buter, là. Bah, le même que toi, ouais. Je pense. Oui, certainement.
Il est à côté de l'arbre ou... Oui, c'est ça, en redescendant là sur la route. Ah oui, c'est lui. Bah allez, vas-y, j'y vais. Bah moi je vais y aller juste après. Je mets pas erreur en premier. Ouais, non. Je vais mettre alligator. Enfin, le centre Pokémon, non ? Ouais, je vais mettre alligator, on va... Ouais. Safe. On va se faire safe, exactement. Parce que tous les autres sont bien bousillés. Bousillés. Allez, bonjour. Alors, Scout, Scout Maxime. Scout toujours. Un saut lourdeau. Ah, sérieux ? Cette merde. Ouais, c'est ça. Niveau 2, en plus. Ah ouais, effectivement. Il va mourir dans d'atroces souffrances. Bonjour, Pokémon qui sert à rien. Et hop, one shot. Au revoir. Bon, attends, c'était sûr. Bah avec Alligator en plus. Carabaf. Ah. C'est mieux déjà. Un Solurdo qui a quand même frénésie au niveau 2. On a pas eu le temps de voir. On l'a one-shoté donc. Moi j'ai eu le temps, j'avais mis Hippotrempe donc. Ah oui. On ne saura pas ce qu'avait Carabaf non plus. Non. Carabaf. Ah putain, il a une bonne équipe ce con là. Allez, je vais mettre Excellent juste pour qu'il up. Oui, tu me le tues pas, s'il te plaît. Non, je le tue pas, je le change, je suis direct, c'est juste pour qu'il ait de l'XP. Ah oui, ok, ouais. Ah bah non, là, surtout qu'il a que 2 PV, donc je vais pas faire le con. Hein. Pic-pic. Et le dernier, Papillusion. Putain, à part le... Bah, à part la Solurdo. Ouais, un Solurdo, il est pas mal, hein. C'est quoi le troisième? Ah oui, Arbok. Ouais, il est pas mal, effectivement. Un voilà. Bon petit dresseur. Dommage qu'il s'était pas un peu plus élevé, parce que du coup, ça nous aurait fait plus de points d'expérience, mais pas mal du tout. Bon, y a pas d'argent non plus, mais... Ouais, c'est clair. Pokémon. Qu'est-ce que la figure. Ah, mais les premiers dresseurs sont pauvres, hein, de toute façon. Ah. Je vais peut-être remettre... Ligotage. La mantine. Ah oui, j'ai oublié que j'avais laissé la baie avec Natu. Oui, tu l'échangeras avec Alligator. Exactement. Il s'est fait one shot le Arbok, il a rien compris. Tu l'as one shot avec qui? Avec Natu, avec un pic-pic. Ah yes. Est-ce que ça arrive à up dans pas longtemps? Je sais plus. Ah oui, il est pas loin, effectivement. Alors on va le faire, allons-y. Petit Papillusion, là. De toute façon, même griffe, hein, avec le niveau d'écart, ça va passer. Hein. Paf. C'est ça. C'est super efficace. Oh. Ouais, Starry niveau 8. Merde, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, un Mélodelph! Un Pokéball, cool. T'as eux aussi sont méga rares à trouver, hein. Les Mélodelph, ouais. On a trouvé bah, tous les trucs rares. Les Mélophées tout court, hein, déjà sont rares. Hein. Oui. Ah, c'est un chaos! Les petits Mélophées! Par contre, moi c'est Oot-Oot ou Ratatak, hein, moi. Oh, jamais super. Les autres. Hein. Mais nous, on a une diversité, c'est incroyable. Sauf quand il fait le premier des zones. Ouais. C'est que de l'eau. Et moi, c'est tout le contraire. C'est fou, hein. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il veut, lui? J'ai trouvé un bon Pokémon dans l'entre-noir. Ah bah oui. Ah oui. Ah bah vous avez trouvé un bon Pokémon, oui. Moi, j'ai trouvé une bonne merde, moi, dans l'entre-noir. C'est clair. On va sortir de la route 31, là. Ouais, bah moi je vais pas tarder aussi parce qu'il faut que je me soigne. Ah, mais du coup t'es revenu en arrière ou... Non. Je suis route 31, là je suis devant, juste devant Mauveville. Ah bah pareil, on rentre dans le bâtiment là. Ouais bah je vais y rentrer aussi juste après. Mauville. Bah, je vais essayer de faire gagner un niveau à mon Hippotrempe juste avant en fait. Ok, bon, moi je me soigne parce qu'ils en ont grandement besoin. Parce que si je peux avoir l'Hippotrempe niveau 11... Là, je fais exprès de faire monter l'Hippotrempe parce que comme je sais que t'as Alligator à côté, c'est... Ah oui, là, tu peux être sûr que là... Ah oui, c'est pour ça, tranquille. C'est le cran de sûreté. Puis bon, je vais chercher à le faire évoluer quand même en espérant qu'il évolue pas en du caca. Qu'est-ce qu'il y a à Mauville? À Mauville, il y a tout, hein, sans Pokémon, un magasin, la tour Chétiflore et un champion d'arène. Oui. On a le kit touristique. Voilà.
Ouais, avec le shop, je vais pas pouvoir acheter grand chose, je pense. On va regarder. Tu veux une info très importante, Tom. Dis-moi. En route 31, tu aurais pu avoir un psychoquack encore. Non, sérieux. Alors là, j'aurais pété au scandale. Là, non, mais trois psychoquacks, ça aurait été une catastrophe là. Ouais, je vais retourner en route 31, en attendant. Je viens de tomber dessus là. Exceptionnel. Ouais, j'ai acheté une Pokéball parce que vu tout ce qu'on a dépensé. Ouais, bah moi aussi, là, l'excellent, il m'en a pompé pas mal aussi là donc. De toute façon, là, après des zones, il y a la tour Chétiflore où on peut tomber sur des sauvages. Et après, il y aura pas mal de dresseurs pour faire des thunes normalement. Donc, moi, j'ai combien de pognon? Ah ouais, j'ai 300 balles, super. Du coup, nous, on tape dans les arbres. Et un otaria dans un arbre, hein, c'est logique. Hein. Ah mais c'est vrai que toi, du coup, t'as cet avantage-là. Du coup, tu vas pouvoir farmer plus vite que moi. C'est ça. Ah ouais. Ah, tu laisses pas la cantine. Il est quand même niveau 10 l'autre. Hein, donc, ouais, par contre, j'hésite avec Psychoquack. Moi, je mettrais Psychoquack. Ouais. Ça lui fera plus augmenter que Caligature. Ça reste un Otaria, c'est pas une bulle. Oui. Ouais, alors je vais changer parce que s'il me fait Torgnole, mon Hippotrempe il va sauter et j'ai pas envie de ça. Oh, le rugissement. Non, parce qu'il vient de me faire Torgnole toucher 5 fois et là j'ai pas kiffé donc. Ah oui, tu m'étonnes. Enfin, là, il me l'a fait deux fois, mais s'il me le faisait 5, j'étais mort. Oh, c'est laquelle l'attaque d'Onyx qui est horrible à écouter? Je sais plus. Grincement. Oh putain, ouais, si on a grincement là, avec le casque, ça va être génial. C'était très beau, Black. Bah, moi, j'ai Natu qui dort pour l'instant. Parce que cet abruti de Mélodelphe avec Berceuse et Torgnole. Oh punaise, le combo. Bon, debout. Ouh, quand même. Il veut pas se réveiller. Est-ce que je rechangerai pas? Ah bah. Ben. Oh putain, alors, je viens de découvrir un truc, je sais pas si vous le saviez. Mais l'hôtel a rayon lune. Ah oui, il me l'a fait tout à l'heure, oui. Ouais, mais je savais même pas qu'il pouvait apprendre rayon lune de par lui-même. Bah. Et du coup, il le spam pour se soigner. J'ai bien fait de changer, hein. Saloperie. Parce que là, il m'a enlevé 4 PV et l'autre, il est moins résistant, hein, donc j'ai bien fait. Ok, c'est bon, j'ai mis 10 ans à tuer un Mélodelphe, tout va bien. Hippotrempe 11. Et je vais aller à Mauville pour me soigner, là, du coup, parce que j'ai pris cher. J'ai pris très cher, même. Ça, j'aime beaucoup le thème de Mauville, j'aime beaucoup. Je m'en rappelais plus. Eh ben, repartons. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refarme un petit peu ou est-ce qu'on va faire un tour dans la tour Chéti? Je serais d'avis qu'on aille dans la tour Chéti parce qu'ils sont pas mal les Pokémon là-bas, je crois. Hein. Ouais, il y a des bons Pokémon. Enfin, ça dépend sur quoi on tombe, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Les dresseurs. Ah, par contre, faire gaffe aux dresseurs à la fin, il peut être un peu vénère. Ouais, mais t'es pas obligé de le faire direct, tu peux farmer un peu avant, non? On peut farmer un peu avant, bien sûr. Puis de toute façon, il y a pas mal de petits dresseurs avant ça. Donc ça peut être sympa, hein, pour augmenter un peu avant le champion. Ouais, mais alors attends, avant, je vais racheter des boules. Des boules? Ouais, moi j'ai pu en acheter qu'une seule, hein. Moi j'en achète deux, parce que j'ai vendu l'antidote. L'antidote, ça sert à rien. Ah oui, remarque. Ouais, j'ai une antidote, j'ai une B antidote en plus. Ouais, j'ai 11 boules. B à mer. J'en ai 8 moi des boules. Ouais, je vais peut-être faire ça aussi. C'est vrai que je pense jamais à vendre. Moi. Alors je suis en train de penser à un truc aussi. On va pouvoir fouiller les ruines alpha et faire les puzzles aussi. Parce que les ruines alpha, il y aura pas que des arbis du coup. Ah oui, bah oui. Eh ouais. Ça vaut le coup par contre. Ah, ça vaut complètement le coup, hein, ouais. Bon bah du coup je vais me diriger dans la tour chez Titi. Voilà, comme ça il me restera 18$. Pareil. Pareil. Allez, tiens, je parlais au vieux là juste avant. Celui qui arrivant au sommet recevra une CS. Non, je crois que tu vas voir la route là. Ouais. Ah oui, là je sors là. Allez.
J'allais aller dans une autre route, moi. J'attends que tu rentres dans la tour et après, on va commencer Pokémon de zone, du coup. Voilà, elle est là. C'est bon, j'y suis, je suis rentré. Allez, c'est parti. Pokémon de zone. Non. Non, mais attends, on dirait un peu... Non, mais c'est vrai que le... Allez, chez Tiflore, là. Allez. Non, la petite vieille à l'entrée. Oui, mais ah, je pensais oui. que c'était une... je sais pas. Ah bah, non, premier non. Dresseur. Ah non, moi j'attends en fait avant de faire le dresseur, parce que je sais qu'il y a des Pokémon sauvages, mais... Je me fais pareil, ouais. Mais pour l'instant, ils veulent pas se manifester. Bah c'est pour ça que j'ai avancé, moi. Ouais. Ah, ça y est, moi j'ai le sauvage. Ouais, bah du coup, ce sera un suspense, savoir s'il le garde ou pas. Oh putain, Volcaropod. Ah, oh, bien. Ouais, mais le problème du Volcaropod, c'est son double type, sa double faiblesse. Oui. Roche-feu, double faiblesse eau. Et le problème, c'est que j'ai que des Pokémon haut, si j'ai Natu, sinon, mais... Ouais, je peux peut-être essayer de le choper, hein. Oh putain, ah ouais, mais attends, est-ce que... Il est quel niveau? Il est niveau 4. Et avec Excellangue? C'est ce que j'étais en train de me dire, le paralyser avec les chouilles, mais faudrait pas qu'il m'afflige Oh putain. Allez, non. Non mais oh, sérieux, un Mew? Ah merde, s'il a purée de poids, faut que je me tire, parce qu'il faut pas qu'il m'empoisonne. Et putain, il vient de m'empoisonner, l'enculé. Ah, je peux pas garder Excellangue, parce que s'il crève par le poison, c'est pareil. Hein. Ah oui, c'est clair. Je peux pas le paralyser, du coup, tant pis. Je vais prendre Natu. Ah putain, mais s'il a purée de poids, ça va être casse-couille. Bon, Flamèche, je m'en fous. Bon, j'aurais dû faire Griff, tant pis. Du coup, je vais faire Ténèbres, et je vais tenter de le capturer comme ça, j'ai pas le choix. Oh, le mauvais P, tout ce que tu lui as enlevé avec une attaque haut. C'est ça. Moi, j'aurais dû faire Griff, mais c'est pas grave. Bon, j'ai perdu un PV. S'il fait que Flamèche, je m'en fous. Du moins qu'il me brûle pas, ça ira. Pokéball. J'espère avoir un peu plus de réussite. Je suis faible. Bon, le dresseur, c'est bon. Ok, alors. C'est mal barré. Moi, c'est mal barré. Hein, alors, qui est-ce qu'on va avoir? Attention. Ah putain, il a jet de pierre, l'enculé. Oh putain, Tortank. Mais non. Encore un Pokémon haut. Putain, c'est... Ah, mais vous collectionnez les Pokémon haut, dis donc. Mais c'est clair, je vais t'appeler Ondine, hein. Est-ce que je garde... Non, je peux garder la Mantine. Je vais au moins mettre Psycho-Quack. Erreur. Oh putain, et j'ai du cul, un Volcaropod au deuxième essai. Mais non, trop bien. Qui est-ce que je mets? Vous avez intérêt à le choper, le Tortank, hein, ce Volcaropod, j'aimerais bien le garder pour le coup. Oh, moi ça me fait chier d'avoir un Tortank, mais... Bah, mais bon, mais Psycho-Quack. Psycho-Quack, ouais. Tu tentes et si... Ouais, quoi que... Niveau 3, hein. Mais bon, griffe. Ouais, je pourrais peut-être mis Erreur, moi, du coup, maintenant. Bon, je vais faire Mimikeu avec lui. Non, surtout pas, tu vas baisser son défense. Oui, non, mais je vais mettre Mimikeu avec lui, je vais Erreur. Bon, alors, ça c'est rien. Risqué, hein. Franchement, c'est risqué. Hein. Ouais, par contre, moi, là où je vais être en danger, moi, c'est l'Excellangue, parce qu'il est empoisonné, j'espère qu'il va pas crever sur le chemin. Ben, retourne vite au centre. Ah oui, c'est ce que je fais, justement, mais je vais surveiller ses points de vie pour pas faire le con. Au pire, tu lui donnes une potion, j'en sais rien. Ouais, ou une baie. 14 PV, non, ça va, c'est bon. C'est bon, c'est safe. Ok, c'est bon. Ouh putain, et oh, calme-toi. Hein. Bon, on va tenter là, hein. Je vais faire un Mimikeu et puis... Ah, il fait repli, ça. Ouais, bon. Mais du coup, j'hésite à refaire un gris. Ouais, bah non, pas les calmes. Il a Tortank, qu'elle a touché. Non, là, c'est trop risqué, là. Ouais, mais vu qu'il a fait un repli, ça veut dire qu'il reprend de la défense. Ouais. Donc ça s'annule. Ouais. Qu'est-ce que je fais, du coup? Putain, est-ce le que je refais pas un griffe? Il y a quand même des bonnes attaques de base, hein, Volcaropod. Hein. Parce que en sac, j'ai pas beaucoup de Pokéball, hein, j'en ai que 9. Hein. Bon, je vais en tester une. Moi, j'avoue que j'ai quand même eu du bol de l'avoir au deuxième coup, le Volcaropod. Là. Oh, j'y ai cru, putain. J'y ai cru. Il a rebondi 3 fois et... Non, mais j'ai envie de faire un griffe, là. Qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, Pokémon. Bon, j'ai tendance à trouver ça risqué, mais après. Ouais, mais parce que le problème, c'est que si on le bute, lui, il doit enlever son Volcaropod. Hein. Si je vous dis. Je trouve ça risqué de. Et oh. si je vous dis le Pokémon sauvage que je viens de rencontrer là, à la tour Chétiflore, vous allez pas le croire. Vas-y. C'est quoi? Un Mew. Mais non. Moi, je l'ai eu seul dresseur là. Ah ouais, bah il est aussi en sauvage. Super. Putain, mais on... il me reste plus beaucoup de Pokéball là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente un griffe? S'il a fait beaucoup de replis quand même. Prends la mantine et fais une attaque. Pourquoi? La mantine est moins forte. Ouais, mais y'a qu'un niveau d'écart. Fais ce que tu veux. Fais voir les stats. Ça sent la grosse stratégie là. Bah ouais, mais on a pas. Stats en attaque, j'ai 12 avec erreur. Et j'ai. J'ai pareil. Donc ça change rien. Vaut mieux faire griffe sur un Tortank, hein. Par contre, je veux pas dire, mais Mew en XP, il est à chier. Bon, attention, je pense que je vais tenter griffe. Hein. Ah, il est tellement pourri. Ah bah non, je vais pas prendre Volcabropod, parce que si vous ratez... Ouais, t'es prêt? Allez, je tente griffe. Il y a une que pourra, après. Pff, c'est bon. Hein. Ça va? Bon, oui, je suis encore dans le orange. Oh. Fais pas de coup critique, connard. Voilà, rouge, c'est bien. En plus, il fait repli. Bon, on va pouvoir retenter des Pokéballs. Ouais, encore Volcaropod, du coup, en sauvage. On va essayer de faire monter l'Exelang. Ça va être compliqué. Oh, il est pénible. Ah, ouais, mais là, c'est une troisième évolution, hein. Ah ouais, bah, on a eu pareil avec Alligator. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'on a moins de Pokéballs que le Black. Ça fait chier que ce soit encore un Pokémon haut, hein. Sérieux. Oui, j'avoue que vous avez vraiment que ça. Hein. Non, mais c'est incroyable. Oh, putain, trois fois. Encore une fois, hein, si la reine elle est pas dans notre sens, on est dans la merde. Hein. Ah bah ouais, nous oui. Parce que là, si on tombe sur une arène, que ce soit électrique ou plante, on est foutu. On en a pas un seul pour nous sauver, quoi. Oh, ça dépend du niveau, après. Ouais, mais bon, il suffit... De souvenir, Albert, je crois qu'il n'y a pas des Pokémon au-dessus du niveau 9, je crois. Hein, donc, La première arène, niveau 9? Ouais, 9 ou 10, hein, je crois que ça va pas plus haut. Hein. Ah ouais? Ouais, de souvenir, il est pas ouf, Albert. Hein. Albert le 5ème mousquetaire. J'étais obligé de la faire, celle-là. Non, je vais toujours pas utiliser Volcaropod, pour l'instant on sait pas. Non, et puis c'est pas gagné, hein, je te le dis. Hein. Ça reste combien de bouboules? Bah 3, je crois. Ah ouais. C'est tendu, oh, effectivement. Oh, il m'énerve avec son repli, là. J'ai utilisé tous mes mimiqueux sur sa tronche. Mais ça sert à rien. Ouais, il fait que des replis, donc ça sert à rien, effectivement. Bon, bah allez, hein. Ah non, il m'en reste 4, autant pour moi. Putain, là, ça rebondit 3 fois, bon sang. Putain, moi, je suis retourné route 31 pour farmer. Ça va un peu plus vite que dans la tour Chétiflore, les Pokémon restent assez rares. Oh, les 2 fois 3 hein. Il veut pas rentrer. Hein. Bah, à mon avis, ça va être mort pour ton Volcaropod. Hein. Eh merde. Il me reste 2 Pokéboules. Allez, on y croit. La Pokéball de l'espoir. Bon, après, ça va être chiant, parce que du coup, pour en racheter, toi, ça va être chaud. Ah, oh, putain, il m'en reste une. Je vais faire du Mimiqueux, hein. Ou alors, je retente un griffe, mais... Bah, après, s'il bourre les replis... Parce que là, je suis dans le rouge, déjà, hein, donc... Ah, il est déjà dans le rouge? Ouais, mais après... Ouais. Elle est bien entamée, quoi. Ouais, après s'il est déjà dans le rouge, c'est peut-être un peu risqué. Enfin, ouais. Après, c'est toi qui. C'est ouais, ouais. Oh, je vais essayer de lui mimiquer en essayant qu'il fasse pas trop de replis. Voilà, il suffit que je dise ça pour qu'il en fasse un. Ah, que c'est compliqué. C'est tendu là. Bah, pour la capture surtout, parce que moi ça va, j'ai des PV encore. Oui, j'imagine, ouais.
je vais arriver dans l'orange, là, quand même. Voilà. Enfin, moi, niveau résistance, au final, je suis pas si bien que ça. Hein. C'est pour moi, ça que je tente. C'est pour ça que je t'avoue que le Polkaropod, il m'aurait servi, là. Moi. La Pokéball, la dernière. On tente ? Ouais. Allez, advienne qui pourra. Allez. Le décompte, s'il y en a un. Eh ben non ! Oh là là, même pas, quoi ! Bon bah, tu vas pouvoir le jeter. Ah, merde. Bon bah, tant pis. Tu vois, j'aurais fait tout ce que je pourrais, hein. Et du coup, ton chétif, là... Bon bah, au revoir, Volcaropod. Fais chier, parce que, ouais, c'était vraiment mon Pokémon défensif, pour le coup. Puis, en bon, plus, ouais, j'ai fait un griffe, il était foutu, hein. Ton chétif, là, c'est fini. Ouais. Non, là, j'ai fait tout ce que je pouvais, je pouvais pas faire mieux, tu vois. J'ai fait un griffe, il était mort ensuite, direct. Mais y'a pas de problème. Il va te soigner, peut-être. Ah oui, bah oui, je retourne en arrière, ouais, oui. Puis... Je vais farmer mon Hippotrempe. Et excellent que je l'ai monté 6, là, excellent, du coup, en attendant. Histoire 2. Ah, punaise. Dégoûté. Ah, y'a de quoi, hein. Bon, après, ça fait chier, parce que c'était encore un Pokémon haut. Ouais, mais c'est plus pour lui, là, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est ça, quoi. Ouais, c'est plus pour Volcaropod au final. Surtout que Tortank, bon, même si ça reste un Pokémon haut, il est pas dégueulasse, c'est comme Alligator. Bah oui, mais voilà, mais oui, on aurait eu un doublon, quoi. Donc, Ouais. Si on a que des Pokémon haut pas dégueulasses, on va pas lui manquer quand même, hein. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça fait chier pour ton Volcaropod. C'est surtout pour ça. Ouais. Bah, c'est pas grave, c'est le jeu, hein. Faut respecter les règles. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je suis resté route 31, je vais retourner à la tour Chétiflore, mais je sais pas à combien de temps de... Bah on est à 56 minutes de temps déjà. Ah ouais, bah on va arrêter du coup. Alors à la différence qu'il y a un dresseur que j'ai pas fait que toi t'as fait, donc je vais peut-être le faire avant. Vas-y, fais-le et puis moi je farm en route 31. Et puis voilà. Ouais. Bah moi il faut que je retourne à la tour déjà, parce que là je suis route 31. On échange. Voilà. Alors qu'il y a un psychoquack qui apparaît. C'est vraiment... C'est le Pokémon du jeu. Cornèbre. Je vais relâcher mon Volcaropod aussi, du coup. Tant que j'y pense. Non, peut-être pas celui-là. Hein. Alors, on va relâcher le Volcaropod. On va pas prendre de risque. Alors, retirer. Non, c'est stocké. Volcaropod. Oh putain. Oh, il est vénère. Oui, mais du coup, j'hésite à le laisser. Non, on prend un Ligature. Ouais, hein, on va pas prendre de risque. Ce serait con qu'il se débarrasse de son atu aussi. Ah non, je vais pas m'en débarrasser. C'est mon starter. Le cri du cœur. On est d'accord. Ouais, non, c'est mon starter, faut pas décoller non plus. Alors, le dresseur, du coup. J'ai quoi en tête de gondole, là? Ah non, pas excellent. Il est critique, ce con. Ouais. Il est agité, le Cornèbre. Après, c'est un bon Pokémon, un Cornèbre. Cornèbre, ouais. Quand il évolue, il devient chiant, hein. Mine de rien, 150 points d'expérience. Quand il évolue, mais en Gen 2, il évolue pas, Cornèbre. Ah non. Oui. Donc, c'est pour ça, je suis un peu dubitatif. Oui, effectivement. Non, on va continuer les arbres, hein. C'est pas mal, ça. Ouais. Alors, il est quoi, Nosferapti? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Un Omnistar. Ah, dans les arbres. Mais oui, logique. Des fossiles dans les arbres, bien sûr. En vie en plus. Eh oui, évidemment. Alors, voilà. Oh, putain, morsure. Non. Oh putain. Ah oui, il a mis où, effectivement. Je suis désolé. Oh la merde. Bah, je fais comme connerie. À la boulette. Alors bah... là, tu vas être mis au bout de sa vie. Si tu me dis que t'as buté ton psychoquack. C'est ça. Et non. Oh le con. Il s'est fait one-shotter, mais un truc de malade. Oh non. Oh putain. Non mais là, t'es conscient que tu me fous dans la merde, là. Oh merde! Oh, c'est con! Mais il m'a sorti un morsure, un coup critique qui sort de nulle part, le truc. Putain, mais morsure on a plus, merde! Mais attends, je savais même pas qu'il avait ça. Mais évidemment, oh, il me sort putain, des reprises. Tu fais chier, ça.
Ah, là, par contre, là, je te dis, il va y avoir une heure de farm, là, hein, parce que là... Oh, putain. Je peux plus me servir de mon atu, mon plus puissant, c'est Hippotrempe 11, hein, donc... C'est honteux. Ah, oh, je suis trop désolé. Ah, putain, il est alligator, le dresseur, en plus. Oh, oh, c'est n'importe quoi. Ah oui, puis j'ai... Ah oui, super, excellent, les chouilles, bien sûr, génial. Ah putain. Ah c'est pas cool hein, ça. Bon bah je balance mon psychoquack hein. Finalement ça... erreur il va peut-être survivre. Ça pouvait pas être erreur, oui, c'est ce que j'allais dire. Eh bah oui mais non. Oh putain. Allez, Pokémon, psychoquack. Donc moi je vais noter KO au bout de 2 heures de jeu hein. Oui c'est ça. Comment on fait pour le dégager ? Tu fais stocker, relâcher. Enfin, stocker, tu sais. Ah, il faut que j'aille dans la boîte, oui. Ouais. Mais pourquoi j'attaque avec écume ? Je suis con. Ouais, mais bon, ça arrive, c'est de la merde. Excellent, c'est de la merde aussi, putain. Je vais mettre 10 ans à tuer un alligator niveau 3 parce que j'ai des Pokémon de brun. De brun ? Oui, de brun, oui. Enfin, mais ça inflige rien. Bon, je l'ai paralysé, ça va. Mais... Bon, bah allez, hein. Et tu l'as pas réussi ? Ah, tu le laisses dans la boîte ? Oui, je peux le laisser dans la boîte, cela dit. Bon, remarque, ça te servira de leçon. T'arrêteras de taper dans les arbres, hein, maintenant. Bah, disons que j'étais quand même largement au-dessus. Enfin, largement. J'avais 3 niveaux de plus que lui, quoi. Et il me sort ça, là. Ouais, mais morsure sur un Pokémon si forcément, ça pouvait pas bien finir, hein. Mais comment je pouvais savoir qu'il est morsure ? Un Ammonistar ! Ouais, encore Psychoquack et pas Psy, il a que le type O. Hein. Bah voilà, en plus, donc... Il nous a quand même bien défoncé la gueule. Non mais il m'a trollé, Skounar. Skounar. Vous, ça sortait de nulle part, le truc. Hein. Je viens de battre le dresseur, enfin. Putain, mais Natu, quoi, merde. Putain, mais mon starter, quoi. Non. Ah bon. Pareil, là du coup je sais pas mais t'es conscient qu'on va mettre 10 ans à la faire la tour Chétiflore hein, parce que là moi le temps que je remonte de niveau ça va prendre longtemps hein. Ah bah oui moi je vais les former par contre hein. Là je suis même en train de me demander si je vais pas faire un peu de farming en off parce que sinon ça risque d'être chiant si à mon avis il va y avoir une vidéo de rien donc oui mais du coup comment je veux savoir moi si vu qu'on est lié ce que t'as fait. Ah oui c'est vrai que oui. Eh oui. Mais non, mais tu peux faire à la rigueur, vous prenez, je sais pas, une demi-heure chacun, vous vous dites, bon, mais pendant une demi-heure, on farm, et puis voilà. Ouais, non, mais je pense qu'on le fera dans la prochaine, on fera un peu de farming la prochaine vidéo, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, en vrai, ça va quand même aller assez vite, j'ai quand même mon Starry niveau 8 qui commence à être pas mal. Je vais forcément monter excellent, du coup, mais il a intérêt à prendre d'autres attaques aussi, parce que c'est pas avec les chouilles que je vais faire grand chose. Et Hippotrempe, il faudrait qu'il ait autre chose qu'écume aussi. Non, en vrai, je peux m'en sortir, mais ça va prendre un peu de temps. Bon, après, moi, à part Alligator, les deux autres, ils sont pas non plus très forts non plus, hein. Ouais, mais toi, t'en as au moins un. Au moins un. Parce que là, tu viens de me virer mon plus fort, hein, quand même, hein, pour le coup. Putain, Natu. Adieu, Natu. Ouais. Adieu, Natu. Ça fait chier, c'était original, en plus. Mais oui! J'adore ce Pokémon en plus. Oui, il est trop chou. J'adore ce Pokémon, j'adore son évolution. Du coup, j'ose même plus rien faire. On va arrêter la vidéo ici. Oui, c'est bon, t'es revenu au centre Pokémon? C'est bon, là j'ai relâché mon atu, donc... oh là là. Du coup, je vais mettre KO. Je vais mettre KO, je vais mettre entre parenthèses Salo. Voilà. Ah, j'ai pas sauvegardé. Non, je mets LOL à côté quand même. Hein. Salo LOL. Il y a toutes les émotions sur le truc. Voilà, même ma manette elle en a marre là, voilà, elle s'est déconnectée. Ouais. Du coup, je vais mettre Hippotrempe en tête de gondole pour la prochaine fois. Et niveau quoi ton Hippotrempe ? 11. Oui, bon, ça va. Ouais, mais bon, 11 avec écume brouillard.
Ouais. Oui, bon. Ok. Okay. C'est pas la folie, quoi. Et du coup, tes deux autres, c'est quoi, alors? Starry 8 et Excellang 6. Ouais, ouais. Donc là, concrètement, là, je vais voir le dernier dresseur de la tour Chétiflore, il me défonce. Hein. Ah bah, mais déjà, bon. Le premier, on a eu un... Enfin, ça va, mais... Non, les premiers sont pas ouf, ils ont des Pokémon niveau 3, donc ça va aller, mais c'est vraiment la dernière ligne droite qui va être plus chiante, ouais. Bon, il y a eu deux coups durs, hein, ça, et puis bah le Tortank qu'on n'a pas pu capturer, ouais. Quoi. Ouais, mon Volcaropode, ouais, bah du coup. Problématique. Donc, du coup, si on doit faire un bilan et une note de cet épisode, je dirais un bon Posipi pour toi quand même. Oui. Parce que Lamantine. C'est ça. Ouais. Et Alligator qui t'a quand même bien oh, bien c'est fait. Clair. Ah, bah, oui. Moi, par contre, un gros Négapi parce que mon starter en moins et Volcaropode qui saute aussi. Et oui, c'est vrai que Alligator, on l'a eu dans cet épisode-là, pas oui, dans oui, l'autre. Oui. Donc oui, il y a un gros Posipi, oui, quand ah, même. Ah oui, oui, clairement. Moi, c'est un gros Négapi. Hein. Comme j'irais quoi. J'irais presque jusqu'à dire un Magikarp. Hein, tu vas faire trompette. Ah oui, bah là, ouais. Non mais tout ça parce que t'as mis 3 plombes à liquider le dresseur alors qu'on aurait pu arrêter en fait. Sinon moi je serais pas allé là-bas. Hein. Ça va être de ma faute. C'est clair. Mais quoi, j'essaie de retourner la situation. Non mais là t'as rien à dire en fait. Y'a aucune défense. Mais non mais comment tu veux t'attendre un Ammonistar qui va te foutre un morsure quoi. Non mais... Ah là là. Non bah bon écoute hein. Il faut s'adapter de toute façon dans les newslogs, hein. C'est le but. Ah oui, bah oui, bah c'est clair que sinon, bon, tu te dis, bon, j'irai au centre Pokémon, c'est pas grave, hein, ben là... Non, puis s'il se passerait rien, ce serait pas drôle aussi. Oui, c'est sûr, mais bon... Surtout pour moi, n'est-ce pas? Non, mais bon, on va rattraper le coche, y a pas de souci. Ça va faire un petit peu de farming, donc on va perdre un peu de temps, mais c'est pas trop grave. De toute façon, il fallait se douter qu'à un moment donné, on allait faire du farming, mais bon. Il y a une route juste après Moville, oui. Qu'on n'a pas fait, qui peut aussi ouais. Nous être utile. Ouais. Pokémon de zone, ouais, complètement, mais le truc, c'est que toi, t'as plus de Pokéball. Ah bah oui, non, oui, j'ai oublié ce détail, oui. Tu récupères des thunes avant. Ouais, t'as raison, oui, on ira après, du coup. C'est vrai que ça reste combien, des Pokéballs? Ah, moi j'en ai, parce que moi le Volcaropod, j'ai eu au deuxième essai, donc en vrai, je crois qu'il m'en reste 8 ou 9. Ah oui, ça va. Non, il m'en reste 9. Ah ouais, mais moi, la ligature, on a mis 3 plombes à le choper, le Tortank qui m'a tout bousillé. Donc... Ouais. Le Lamantine, ça va, il est quand même allé assez vite. Ouais, c'est plutôt de la base. Ouais. Ouais, non, moi globalement ça va, il y a que l'excellente qui m'a fait un peu chier, mais au final ça va. Bon, et ben sur ce, on va se quitter sur cet endroit-là, donc bon, on espère que ça vous a plu. Vous avez bien rigolé, hein? Je pense. Ouais, il y a moyen. Pas mère quand même, personnellement. Ah, je m'étonne. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour la suite de Pokémon version cristal en mode random bullshit qui est de la mort qui tue. Bullshit. Voilà, bah, c'est pas mal comme nom. Hein. En mode psycho-couac. En mode psycho-couac. Il y en a un en moins, du coup. Hein. Erreur va servir, du coup, maintenant. Ah, bah ouais. Complètement. Voilà, le nom Erreur va se rappeler qu'il en avait une maman avant. Ou un papa, oh. Je sais. Voilà, allez, bah, sur ce, on se laisse là. Et puis, bah, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Abonnez-vous à la chaîne de Black Manta 40. Et puis, ouais, bah... et pareil, abonnez-vous à la chaîne de Chaos si vous l'avez pas fait. La clochette, tout ça. Et voilou. Et voilou. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, salut ciao. À tous. Salut YouTube, ciao.